Typique. Oh, c'est pas le chalet douillet qu'on m'avait promis, Mike. Ouais, c'est un peu en plein courant d'air, hein. Eh bien, il y a une cheminée. Ouais, on n'a pas besoin d'un feu pour se réchauffer. Michael, je suis une lady, et une lady a besoin d'un peu de romance. Ok. Elle est surtout chiante. Elle aimerait se blottir contre son homme, devant un bon feu, et profiter un peu de la douce lueur des flammes. Ça deviendra bien assez chaud, lorsqu'on sera l'un contre l'autre. Mike, ouais. Le feu et la lueur des flammes. Ouais. Ouais. Fichtre. J'aurais dû la laisser se faire bouffer. Merde. Bon. Désolé d'avoir eu la petite coupure un peu chiante. Oh merde, bordel. Mike ! Quoi ? Oh merde ! Quoi ? Putain, il est où ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perdu ! Je l'ai perdu, ok ? Jess, attends. De quoi tu parles ? Mon téléphone, Sherlock. Ah, elle est casse-couille ! Non ! Oh, c'est pas vrai, il a dû tomber dehors. Non. Je peux pas perdre mon téléphone. Mes parents me tueraient. T'en rachèteras un. J'en suis déjà à mon 4e cette année. Ok. Ok. Bon, je vais t'aider à le retrouver. Elle est chiante. Ouais. Ouais, mais non, là on sort pas dehors. Je pense qu'on devrait pas sortir maintenant. Si, si. Toi tu sors. Enfin, tu te fais bouffer. Puis Mike il sera tout seul. D'accord. Donc en fait, non, c'est pas cool. Bon, bref. Oui, du coup. Petite coupure. Salut, salut. Qui c'est qui va s'embraser ? T'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici, pas vrai ? Ok. Donc ouais, petite coupure qui s'est faite un peu à l'arrache, hein. Bon, je suis désolé. C'est comme ça, ça arrive. Voilà. Ah. Yes. Voilà pour le problème de la lueur. Mince. Ah. Feu. L'homme 1, le feu 0. Très bien joué, bravo. Très bien, ma lady. Et ensuite Je pense que... je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Bah... Eh ben, si j'avais su ça avant... Je sais pas... J'ai pas exploré le reste de la maison. C'est juste que... Merde. Je le sens pas encore. Je suis sûr, il y avait d'autres choses à voir. Allez, on va la rassurer parce qu'on est quelqu'un de gentil. J'ai fait quelque chose de mal. Trop gentil. Non. Enfin, je croyais savoir qui tu étais vraiment, mais... Apparemment, t'es quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ta faute. Jess... Tu me plais beaucoup. Peu importe ce que tu crois. Donne-moi une chance. Et je te donnerai ce qu'il te faut. Eh ben, j'apprécie ton assurance. Mike, les volets. Quoi, les volets ? Tu peux les fermer, s'il te plaît ? Tu sais, il n'y a personne dehors. J'ai l'impression qu'on nous observe. Ça me plaît pas. Jess, sérieux, c'est bon. Hein ? Écoute, ça me plaît vraiment pas. Ok, je ferme les volets. Ah, super, je vais pouvoir explorer le reste de la maison. Laissez-moi explorer le reste de la maison avant. J'aimerais explorer un petit peu. Super. Ouais, tiens. Parfait pour allumer la flamme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais pouvoir... Hé ! Est-ce que tout va bien ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est rien, c'est les lumières. J'explore la maison. T'as tout cassé. Il va y avoir un court juge, je pense. C'est toi qui as un court juge. Ah, c'est Anna. D'accord. Faut que j'explore le reste de la maison, parce que sinon ça va pas le faire. Bah, la porte elle vient juste de s'ouvrir. Genre est-ce normal, que tu peux quoi. Fermer ses volets, s'il te plaît ? Non.
Exploration. Et si. À cause de toi, j'ai rien pu explorer, donc tu fais chier. Le Kamasutra. Michael, je veux ces volets fermés Ok, maintenant. ça c'est utile. Ah, bien vu. Ils étaient inventifs. Waouh. Non, 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 bon, Pas allez. vraiment sûr d'être prêt pour ce niveau de gameplay. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dégage, lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. C'est fou la fiotte que c'est quand même. Oh, putain, putain de bordel de merde. Tu crois que c'était quoi, Mike? Allez. Bon, si tout est bon, je crois avoir tout vérifié. Ça, c'est cool, ça veut dire qu'on a déjà. Je suis désolée, j'aime pas l'idée qu'on puisse nous mater de l'extérieur. Voilà, non mais t'inquiète pas, fillette, hein. C'est juste que je voulais juste explorer un petit peu, voir un peu. Oula, attendez. Qu'est-ce que c'était? Ah, un flingue! Jess, regarde ça. C'est un feu, j'espère. Non, c'est plus cool. Je me la pète. Alors? Un vrai chasseur. T'aimes mon joujou? Pourquoi les armes rendent les hommes complètement dingues? Rien? Parce qu'on joue 3 Call of Pipi. Mais enfin bon. Ça pourrait Comprendra servir. jamais notre relation. Bon, maintenant on peut fermer les volets. Je pense savoir. Ah non, j'ai pas tout vérifié. Reste encore autre chose. Alors, mythe et légende amérindienne. Par Joseph Mec. Ça fait de la sacrée lecture, dis donc. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir rencontré nos sympathiques voisins, les ours. Ouais, bah, ça me réconforte pas vraiment. Ok. Du coup, il y a peut-être un indice dans l'autre, mais bon, c'est tellement gênant qu'à Kamasutra que je vais pas le, non, je vais pas le montrer, même si je perds un indice, tant pis. C'est pas grave. Je ne vais pas montrer ça sur YouTube, hein? Non mais dis donc. Voilà, les volets sont fermés. Alors, où est-ce qu'on en était? Je suis désolée. Désolée, je pense que j'ai un peu peur et c'est difficile pour J'ai moi mis trop de temps, c'est de tenir ça? bon et. Quoi? J'ai mis trop de Tenir bon? temps? C'est parce que je lisais les livres du J'ai l'air Kamasutra, c'est super ça? confiante et j'agis comme une bombe sexuelle et tout, mais au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Ah. Allez, rassurant, allez. Jess. Même si je la trouve absolument pas Tu plaisantes, sexy du j'espère. tout, mais Quoi? pas du tout, T'as hein. aucune raison de manquer de confiance en toi. Oh. Arrête, si tu savais. Mais je sais. T'es comme Non, tout t'es le pas monde. mal. On manque tous de confiance en soi. Mais tu sais te mettre en valeur. C'est peut-être une façade, mais pas seulement. Ouais. Si tu le dis. Il faut se Ouais. mettre en valeur, c'est Et sûr, ça, mais quand c'est. c'est se mettre en Et ça, c'est. valeur pour devenir Vraiment? encore plus Mais moche, oui, bien ça sert sûr. à rien. Viens par ici. Peut-être que je vais aussi savoir te mettre en valeur. Oh, tu peux y aller, je suis tout à toi. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Mike,
mieux d'aller voir, vite. Prends le fusil. Prends le fusil. Prends le fusil. Va chercher le fusil. Je peux pas prendre le fusil. Fuck. Faut que j'y aille comme ça. Avec mes muscles et mes pecs. Tant pis. Je suis pas Rambo, mais enfin bon, tant pis. On va faire avec. Bonjour. Qui c'est? Bah, c'est gentil pour la musique. Ton téléphone. Quoi? Téléphone qui est arrivé du ciel. Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est passé par la fenêtre. Oh, Sandek. Bordel de merde, putain. Quoi? Ces espèces de salopards nous ont suivis jusque là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à... Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis blanc et je suis très énervé. Ouais, connard. Oui, vous. Je sais que vous êtes là. Bordel. Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Vous voulez vraiment nous emmerder? Vous savez quoi? C'est pas possible. Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael et moi, on va baiser. Et ouais, on va s'envoyer en l'air et ça va être chaud. Alors profitez-en, parce que je sais que nous, on va bien en profiter. C'est pas vrai! Putain, c'est quoi ça? C'est quoi cette connerie? Tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous? Aucune idée. Je sais pas si j'aurais préféré qu'elles le fassent ou pas. Ouais. Va falloir qu'on le découvre. Ah, c'est... C'est déjà plus tranquille d'un seul coup, mais... Oh putain, c'était quoi? Putain, le truc de malade! J'avais l'air de vraiment flipper pendant la séance. Ouais, il semblait essayer de venir. Il avait l'air d'avoir un putain de monstre. De parler de ses soeurs. Incroyable. C'est pour ça qu'on est revenu ici. Ouais, mais pas comme ça. Pas en faisant du spiritisme. On est peut-être allé trop loin. Mais non, bébé, je t'inquiète pas. Ça va aller. Attends, mais va pas trop vite, va pas trop vite du con, s'il te plaît. Laisse-moi explorer. Les environs en même temps. Le plan de caméra comme ça, bon sens que c'est chiant. Tiens. Porte. Putain. Fermé. Un autre à explorer. Ah, attendez. Faut y passer à côté de ça, moi. Ouais. Mais y a même pas de courant. C'est bizarre. Très bizarre. Moi, je suis vraiment en train d'explorer tout à 100% là. Enfin, j'essaye au maximum. J'espère trouver un maximum d'indices. Merde, regarde ça. Merde. Est-ce que ça Quelle va connerie. Je crois, oui. Regarde. Quoi? Quelle connerie, putain. C'est un bouton? Pourquoi il y aurait un bouton? C'est une très bonne question. J'appuie dessus? C'est pas ça que servent les boutons, je pense. C'est à peu près ce que je viens de dire. Dans ma tête, j'ai dit potentiellement la même chose. C'est à peu près à quoi ça sert les boutons. Si un bouton, c'est qu'il faut appuyer dessus. Alors tu attends 30 secondes. S'il te plaît, bibiche. Laisse-moi avant tout. Il n'y a rien l'air d'avoir dans les environs. Bon, appuie sur le bout. Et... C'est la fin de la vidéo, tout de suite maintenant, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour l'épisode suivant.